Mais c'est quoi, on a dit go. Delphine Boël, assaillie par les journalistes, et pourtant, face à la presse, elle est presque restée imperturbable. Elle n'a fait aucun commentaire à l'issue de l'audience. Et surtout, comme on pouvait s'y attendre, le roi Albert II ne s'y est pas présenté. Une audience qui se tenait à huis clos, comme pour toutes les procédures de filiation, et qui pourrait bien être capitale. Pour rappel, c'est en 2013 que Delphine Boël intente une procédure pour contester la paternité de son père légal, Jacques Boël, et pour reconnaître la paternité du roi Albert II. Albert II, qui a toujours démenti être le père biologique de Delphine Boël, mais la justice pourrait bien le rattraper. Le juge pourrait désigner un expert chargé de procéder au test ADN sur Jacques Boël et Albert II. Albert II pourrait refuser de se soumettre à un tel test. Dans ce cas-là, un deuxième débat s'ouvrirait. Un autre scénario est également possible. Le juge peut prendre une décision sans demander de test ADN sur base d'autres éléments de preuve, comme des lettres ou des dons. L'affaire est maintenant entre ses mains. La décision sera rendue dans un mois.